Bonjour, aujourd'hui on va travailler sur le petit livre orange qui s'appelle Mon monde, sciences sociales. Et maintenant, tournez à la page 86, 86, 86, okay. Chapitre 4, leçon numéro 2. En quoi les familles sont-elles semblables? Et différentes. On va réviser vite fait. On va parler de ces deux mots. Okay? Semblables et différentes. Alors, semblables, ça veut dire qu'elles sont pareilles. Okay? Ou qu'elles sont similaires. Okay? Donc, on va parler des similarités. Similarité. Okay. Des similarités entre des familles. Et différentes, une autre façon de dire ça, c'est de dire, enfin, c'est de trouver les différences. Et c'est comme en anglais, differences, ou en espagnol, diferencias. Ouais. Ou bien, comment elles ne sont pas similaire. Not similar. OK? Donc, semblable, ça veut dire qu'on parle de similarité. OK? Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui est le même? Et différente, c'est quand on parle des différences de ce qui n'est pas similaire, qui n'est pas pareil, qui n'est pas le même. OK? Et on a déjà révisé, enfin, on a déjà en parlé la dernière fois quand on a comparé et contrasté des familles. On a trouvé les similarités entre les familles et les différences entre les familles. OK. Aujourd'hui, on va faire un dessin. OK. On va faire un dessin. Ça, c'est un crayon, ok? Ça, c'est un crayon. On va faire un dessin de notre famille, ok? Donc, vous allez faire une famille de votre famille, un dessin de votre famille, et moi, je vais faire un dessin de ma famille, ok? Donc, par exemple, si Jaime il n'a pas de frère et il n'a pas de sœur, il ne va pas dessiner une sœur ou un frère. Oui. Si Madame Clark elle n'a pas de chat, donc je ne vais pas dessiner des chats. Ok? Pensez à votre famille. Celle-ci, c'est la famille de Miss Clark, c'est ma famille. Vous allez faire votre famille, ok? Donc celle-ci, c'est la famille Clark. La famille Clark. Vous allez faire votre famille, ok? Donc ici, j'ai moi. Oui, Miss Clark. Mademoiselle Clark. Avec ses faux cheveux blondes. Ok. Et comme ça, je souris. Oui. Miss Clark. Tududum. Et dans ma famille, j'ai ma mère. Et mon père. Et c'est tout à fait OK si vous n'avez pas de certaines personnes dans votre famille. OK? Il y a des familles qui n'ont pas de père ou des mères ou des grands-parents. Et ça, c'est OK. OK? Il n'y a pas de problème. Vous pouvez les dessiner si vous voulez.
mais ce n'est pas nécessaire. Ma mère, elle est un peu blonde aussi, en fait. Mais mon père, il a les cheveux un peu noirs et marron et brun. Ah, un peu de noir aussi. Et puis ma mère. Et mon père, ils n'ont pas des coups comme moi. Donc ça, c'est mon père et ma mère. Dans ma famille, j'ai aussi des sœurs et un frère. Il y a beaucoup de personnes dans ma famille. Donc ça, c'est ma mère, mon père, moi. J'ai trois sœurs. Un, deux, trois. Et un frère. J'ai deux sœurs qui sont un peu blondes aussi comme moi. Elles ont les cheveux beaucoup plus longs que moi. Enfin, celle-là, elle a les cheveux longs. Celle-là, elle a les cheveux pas très longs. Ok. Ça, c'est ma sœur. Et puis, celle-là, c'est mon autre sœur. Qui a porté des pantalons. Ok. Et puis, j'ai. Ah oui, je continue avec le dessin comme ça. Mon autre sœur qui... Moi, je suis la plus grande Miss Clark, Mademoiselle Clark. Elle est la plus grande de toutes. Ok, donc moi, je vais faire comme ça. Oui, pourquoi pas. Une autre robe. Elle a les cheveux très longs aussi. Mais parce que mes cheveux sont un peu blondes et un peu bruns. Ok. Oui, ma mère aussi. Ok. Pium, pium, pium. Et ma soeur aussi un peu. Ok. Et puis mon petit frère. Et oui, c'est un garçon. Ok. Mon petit frère. Et voilà. Ça, c'est ma famille. Ok. Donc, j'ai mon frère, ma soeur, mon père, mon papa. Oh, son œil, il est bizarre. Moi, Mademoiselle Clark, ma mère, maman, ma soeur et mon autre soeur. Ok. Et en plus, j'ai des grands-parents aussi. Du côté de mon père, j'ai une grand-mère. J'ai pas beaucoup d'espace, c'est pour ça que j'ai fait comme ça. Et un grand-père. Et du côté de ma mère, j'ai juste ma grand-mère. Ok?
Et voilà, ça c'est ma famille. Maintenant, vous allez dessiner votre famille et j'aimerais bien que vous compariez votre famille avec la famille de quelqu'un d'autre ou bien avec la mienne. Est-ce que vous pouvez comparer votre famille avec la famille de Miss Clark, avec la famille de Mademoiselle Clark? Comparer et contraster. Quelles sont les différences et quelles sont les similarités? Ok? Merci, au revoir.